Neuvième vidéo. Neuvième vidéo de mon chemin rouge. Hier, je vous parlais du Sundance, de notre arrivée, de la première prise de conscience que je fais arriver au Sundance. Donc, première nuit, on passe là. Le lendemain matin, déjà, ça commence. Okay? Ce qu'on est informé, c'est que ça fait déjà 4 jours que ça a lieu et que pendant ces 4 jours-là, les danseurs ont fait 4 sweat lodges par jour. Vous avez bien entendu. 4 sweat lodges par jour. C'est du sweat lodge, ça. Okay? C'est vrai, c'est d'intensité. Puis il faisait chaud, là. On était quand même bien. C'était début juillet, là. Fait que c'était quand même intense. Et l'espace, de la façon que l'espace est aménagé, ils nous ont dit que l'espace sacré n'était pas encore fermé. Ça veut dire que le lieu n'était pas encore fermé parce que la danse n'avait pas encore débuté. C'était la préparation. Donc, ça faisait quand même 4 jours que c'était en préparation parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une cérémonie, c'est prime abord des prières. OK? Puis, prière dans le sens de. Nous autres, on dirait en croissance personnelle faire du travail sur soi. Okay. Mais pour l'Autochtone, tout est prétexte à prière, c'est-à-dire tout est prétexte à regard sur soi. Et là, les prières, c'est dans le fond, c'est toujours des gratitudes que tu envoies au Créateur. Et là, le principe du Sundance, c'est de faire un jeûne de nourriture, un jeûne, mais pendant qu'ils vont danser, parce que la danse n'a pas encore commencé, là, c'est les préparations. Et 4 jours de préparation à 4 sweat lodges par jour. Vous allez voir que le 4 et le 4 et le 4 revient souvent. Ça, c'est un enseignement, déjà en partant, parce que le 4 représente la circulation de l'énergie, un cycle, un équilibre. T'as les 4 saisons, t'as les 4 points cardinaux. Tu as les 4 peuples de la Terre, tu as les 4 éléments, il y a plein de choses qui sont en quatre. Et quand les quatre ne sont pas là, il manque un équilibre. Et du moment qu'il manque un équilibre, il y a une carence, il y a quelque chose qui va se créer. Donc, le quatre est très présent. Et le quatre ferait aussi partie des 4 étapes de la vie d'un individu. Et en Sweat Lodge, dans le Sundance, en tout cas, vu que. Ils représentent le grand cercle, donc le cercle de médecine, avec les 4 portes, donc les 4 directions. Mais ce n'est pas juste les 4 directions, c'est toujours dans un esprit d'équilibre. Donc, il y a toujours un salut qui va être fait aux 4 directions éventuellement. Mais là, ils sont dans les sweat lodges, les huttes de sudation, et ils vont faire 4 sweat lodges parce qu'il y a 4 directions. Et 4 étapes de vie. Fait que c'est toujours des réflexions sur chacune des étapes, où est-ce que j'en suis. Fait que ce qui a rapport à mon enfance, parce que c'est à l'est, là où tout débute, là où tout commence. Mais pas juste à mon enfance, c'est aussi à tout ce que j'ai commencé, à tout ce que je démarre, à tout ce que j'ai entrepris, à tout ce qui est en démarrage présentement, à tout. Tu sais, c'est tout ça, là. Après ça, tu as le sud, là où on est dans l'action, l'adolescence, là, bon. Et le nord, la phase adulte, la réflexion, là, etc. Fait que ça fonctionne comme ça. Et là, ce que je remarque, c'est qu'il y a du cèdre. C'est-à-dire qu'il y a 4 principales médecines, herbes médicinales chez les Autochtones, qui est la sauge pour purifier, se mettre dans un état d'authenticité, à quelque part se nettoyer. Il va avoir le cèdre. Le cèdre, il est là pour vraiment nettoyer, mais dans le sens de chasser le négatif. Tu sais, c'est vraiment faire le lâcher prise. Tu sais, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est beaucoup plus intense au niveau du cèdre. Et au Sundance, j'ai trouvé ça particulier. Normalement, il y a beaucoup, beaucoup de sauge. Là, il y avait sauge mélangée avec beaucoup de cèdre. C'était les deux. Puis ça tombe sous le sens aussi parce que c'est des danses de nettoyage, c'est des danses de purification, c'est des danses de remerciement, de gratitude et tout ça. Fait que c'est toujours avec beaucoup de nettoyage. Et là, ils font comme une sorte de corridor parce qu'ils respectent
beaucoup, beaucoup les enseignements, c'est-à-dire que les huttes de sudation, originellement, ont été faites parce que les femmes ont leurs règles. Hein? Donc, il y a un nettoyage, mais encore là, un nettoyage, façon de parler, une purification une fois par mois par leurs règles. Mais encore là, ce sang-là n'est pas du mauvais sang. C'est un sang qui a été créé par l'utérus en prévision de recevoir la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de pur, de noble, de riche. Et ce sang-là est redonné à terre-mère et retourné parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Et les hommes n'avaient pas ce cycle de nettoyage, ce cycle de purification. Et ils se sont dit, ben nous, on va se nettoyer, mais nettoyer par la sueur. Et les huttes de sudation ont commencé. Et puis, quand une femme est dans ses règles, dans ses menstruations, elle ne peut pas aller dans la hutte de sudation. Mais il y a un tipi qui est mis un petit peu à l'écart où les femmes vont aller se reposer, vivre leurs règles, parce que c'est un temps d'intériorisation, c'est un temps de recueillement. Ils ne font pas autre chose. Les autres femmes, les autres personnes reprennent la relève de ces femmes-là. C'était respecté, il y avait ça aussi. Donc, il y avait certaines femmes qui étaient dans leurs règles, il y avait un tipi pour les femmes dans leurs règles qui était mis à l'écart et il y avait un corridor avec des branches de cèdre par terre où, pour ne pas rentrer dans l'espace sacré, il fallait marcher à l'extérieur des branches de cèdre et ça menait aussi à ce tipi-là. Il y avait d'autres tipis où les danseurs et les organisateurs demeuraient le soir, puis tout le restant des gens étaient dans le temple là, sur le côté, parce qu'il y a beaucoup de temples sur le terrain. Fait que donc, le 4, un autre enseignement important. Et le cèdre, la sauge, la purification, c'est les principaux qui étaient là à ce moment-là. Et le fait de dire que le cercle est fermé, le cercle est ouvert, on pouvait circuler, on pouvait aller, mais en étant accompagné, on pouvait demander et ils nous accompagnaient, ils venaient nous expliquer la structure, de la façon que c'était monté, pourquoi c'était comme ça. Il y avait les aînés, puis ça, je vous expliquerai la structure, comment c'est fait. J'ai trouvé ça tellement beau dans un autre enseignement. Je vous reviendrai avec ça demain parce que là, ça fait quand même 8 minutes et demie. Ça veut dire que j'ai perdu 1 minute. Je suis rendue presque à ouais, c'est ça, 8 minutes et quelques. Enfin, je vous reviens demain avec la suite. J'ai oublié, par exemple, je voulais vous parler d'entrée de jeu du septième ciel parce qu'on est en lancement septième ciel. On est présentement dans les inscriptions. C'est le temps de vous inscrire présentement. Si vous avez des questions, je vais mettre le lien en dessous. Vous pouvez cliquer, vous allez tomber sur le site Internet. Il y a plein d'informations. Vous pouvez m'écrire personnellement. Aucun problème, je vais vous répondre. Ça va me faire un immense plaisir. Cette année, on est en plein dans l'Autochtone. J'ai fait une refonte complète du site Internet. Ben, c'est pas un site Internet. J'ai fait une refonte complète du programme Septième Ciel. C'est un programme qui dure à vie. De toute façon, je vais vous faire un webinaire la semaine prochaine où je vous explique là, vraiment de long en large tout ce que c'est que le Septième Ciel. Si vous le connaissez déjà, si vous avez déjà envie d'embarquer dans l'expérience, ben, je vous invite à vous inscrire. Sinon, ben, les inscriptions ferment le 14 au soir, donc on recommence le 15 septembre. Sur ce, ben, je vous laisse. Il va y avoir plein de publications, vous allez voir de toute façon, vous allez avoir l'occasion de pouvoir vous renseigner sur ce bain. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite du Sundance.